Bonjour, petit Lucien, j'espère que vous allez bien. Moi, très bien. J'ai un peu chaud, je viens de rentrer. En fait, on va faire une petite vidéo achat Primark et chez Club Les Leafs. Du coup, voilà, je vais vous montrer tout ça. Ce sera peut-être un peu dans le désordre. Je voulais juste choper ça. Parce que, en fait, je l'ai déjà déballé. Vous voyez pas. Enfin, si vous voyez ce que c'est marqué, c'est le petit Stitch là qui. C'est. J'avais trop envie d'en avoir un. Vous faites ça, hop, et voilà. Il est en compagnie, il bouge pas. Vous pouvez bouger. Voilà. Et je sais plus combien je l'ai payé. Il m'a pas de prix, il m'a pas de prix. Je saurais plus vous dire. Du coup, voilà. Comme ça, je pourrais jeter, mais ça, je vais pas le laisser quand même. Bon, si vous entendez des petits bruits, il y a la petite à côté. Du coup, voilà. On va essayer de faire tout Primark en premier. Les livres, on les fera en dernier. Voilà. Du coup, j'ai pris la gourde pour Monsieur Pikachu. Elle est énorme. Elle est grosse. Comme ça, il l'aura pour aller au boulot. Voilà. Je ne sais même pas comment elle s'ouvre. Super. Il faudra chercher comment on l'ouvre. Ah, voilà. Ah, il y a une tutute. Elle s'appuie. Voilà. Ouais, en fait, il faut appuyer sur le. Ah oui, là, vous avez un truc là. Ça, c'est fermé. Ça, vous l'ouvrez et vous appuyez sur le bouton. Et voilà. C'est pour papa, mon cœur. Voilà la gourde. Là, c'est un truc de 12 euros. Lui qui boit beaucoup. Voilà, c'est 2 litres. Voilà. Du coup, voilà. Après que je chope. Bon, ça, c'est. Mon ticket. J'avais pris des écouteurs pour moi écouter dans le métro, mais ma mamie est venue me chercher, du coup je les ai pas utilisés. C'est pas grave. Je vais les mettre dans la poussette de la petite, comme ça quand j'irai quelque part, ben, j'aurai des écouteurs avec moi. Du coup, après, là, plus gros, me suis pris une couverture, une grande couverture. C'était en gel, elle est trop belle. Tu me la regardes déjà? Ouais, tu vas me la piquer? Ça, c'est sûr hein, que tu vas la piquer. Elle est trop belle. J'aime bien les couleurs. Voilà. Regardez les couleurs. Je sais pas si vous voyez bien. Et des petites cerises. Elle est trop mignonne. Tu la veux? Tu la veux? Elle me regarde. Voilà. Peut-être le bordel dans mon lit. Après, j'ai pris plein de petits vêtements pour elle. J'ai pris des vêtements pour toi, mon cœur. Du coup, j'ai craqué. J'arrive pour ceci. Du coup, il y a un bavoir, un body et le pyjama qui est juste là. Voilà, il est trop beau. Et vous, tu vois ça? Et c'est pris en taille 0,3 parce qu'elle grandit tellement vite. Je lui ai pris aussi un petit t-shirt comme ça pour mettre avec ses leggings et son. J'ai un jeans aussi. Un autre t-shirt, il est trop mignon. Voilà. Après, j'essaie de choper, mais c'est compliqué. Parce que je les prends pas les 11, c'est malin ça. Après. Bon, ça c'est après. Je me suis pris un petit nounours comme si. Parce que c'était tigrou. Et j'aime beaucoup avec un kiwi, fraise, ça je sais pas. C'est les nouveaux machines. Ouais, mais parce que c'était tigrou, je le voulais. Voilà, tiens. Tu veux? Je lui montre. Après, je lui ai pris un petit pull avec des dauphins parce que je suis fan des dauphins. Du coup, elle va être assortie. Enfin, assortie, non, parce que j'en ai pas. Après, je me suis pris pour moi cette fois-ci une robe de nuit comme ceci. Vous voyez, avec des petits pois. Elle est toute douce et oh, c'est agréable. Je pense que. Je ne vais pas traîner à la mettre. Elle est trop belle. Elle est comme ceci. Voilà, mais c'est tout doux la matière. J'adore. Voilà. On va essayer de pas mouffler ma fille. Bon, ça c'est après, j'ai dit. Après, je me suis repris des culottes en tuyau règles. Enfin, pour les règles. Voilà. Il y en a trois. Du coup, j'ai pris cette couleur, un beige et un autre. J'en ai pris 6.
6. Ah non, ça c'est des culottes normales. Que je voulais une rouge. Voilà. Enfin, rouge bordeaux là. Il y a une blanche et une grise. Je sais pas si tu sauras les mettre. Mais j'ai craqué pour des petites chaussures comme ceci, clochettes. Ouais. Oh, regardez ça! Je crois que ça va être trop grand encore. Je sais même pas comment. J'avais pris mon petit. On va tester ça. On va tester ça? Si elle me laisse faire. Ouais, ça va être encore grand. Attends. C'est l'autre pied qu'il faut que je mette. Ah oui, quand même! C'est encore grand. C'est encore grand. Du coup, voilà. Je les ai pris comme ça, elle les aura. Alors, ça, si j'ai dit après. Ah oui, ça, c'est le. Votre avec. C'est quoi ça? Ah, mais ça, c'est le truc de clochette. Alors, là, je me suis pris une autre robe de nuit blanche. Voilà, un peu simple. Je l'aime bien la matière. Voilà. Je me suis dit, pourquoi pas. Ça va être le bon temps. J'ai craqué pour une pop de chez Primark. Oh, elle est trop belle. Je l'avais trop envie de la voir. Je sais que monsieur va m'engueuler parce qu'on avait dit on prenait plus les pop. Mais elle est trop belle. Et en plus, 16 euros, je me suis dit que c'était pas si cher que ça. Regardez ça. Elle est trop belle. Oh, elle est magnifique. Elle est trop belle, je suis trop contente. Voilà. S'il y avait Star, ouais, mais Osmo, voilà quoi. Et avec. Franchement, en pop dans cette collection, il n'y a que celle-là qui m'intéresse. Je sais pas si vous allez voir. Voilà la collection. J'espère que vous attendez pas trop. Ils sont en train de mettre la fibre chez moi. Et du coup, c'est le bordel. Je me suis pris une petite brosse Stitch, comme ceci. Elle est comme ceci. Je vais tester ça. J'en ai deux. Parce qu'il y en a une pour chère amie, si elle voit ça. Voilà, elle entend la petite. Voilà, la deuxième. Je vous montre bien, j'ai bien les deux. Hein. Voilà. Du coup, je l'ai pris pour mademoiselle Mariette. Après, j'ai encore pris. Regardez ça! Elle est trop beau! J'adore. Je suis amoureuse de cette collection enfant. Il y a le petit training avec en plus. Voilà. Il est trop beau. Après, ça diminue. Ah bah c'est les culottes. C'est l'autre paire de culottes. Du coup c'est noir, gris et noir. Ceci je crois que c'est. Ils sont plus. Oui, c'est plus grosse, plus épais. Du coup ce sera bien parce que quand on commence après. Et je me suis repris. J'espère que ça ira. Des petites. Enfin, pantoufles, chaussures. Voilà. Ils étaient à 8 euros. Je me suis dit pourquoi pas. J'espère que c'est comme les miennes que j'ai. Voilà. On va tester ça. Je vais remettre tout ça là-dedans. Pour le moment, je range tout ça après. Et là, on va passer aux livres. J'en ai quand même eu pas mal. Voilà. Hop, j'éloigne ça un peu. C'est quoi que j'ai fait tomber? Oh merde! J'en ai fait tomber un! Oh, ça va plus par contre. Je vais essayer de le récupérer. Voilà. Hop. Attendez, je passe le chercher. Je l'ai. Maintenant, il faut que je m'en remette. Du coup. On t'a fait tomber la peluche? Bon, ça, on en parlera après. Je me suis pris celui-ci, University Game
prix mini chez c'est 4,99€, c'est pour ça que je l'ai pris. J'ai HarperCollins. J'ai eu des marque-pages, mais je sais pas si ça va avec lequel. Celui-ci. Il est pas moche, ça va. Et alors celui-là, je l'ai eu, mais c'est pas pour un jour de nuit tombée. C'est pour ces deux, ces livres-là. Voilà. Et du coup, j'ai pris celui-ci. Et en fait, c'est écrit à deux mains. Lyrica Harry Bar et Jessie Frignac. Je sais pas vous. Ça fait un peu bizarre. Et en fait, j'avais lu la quatrième, enfin, la petite phrase accroche et j'ai bien aimé. Sur le campus, le jeu ne fait que commencer. Par les règles ni interdit, ni édite interdit, tous les coups sont permis. Alors, quelles règles à peine que ont été virées au sort, tirées au sort pour à part. J'espère que vous entendez pas trop. Pour à part participer, pour participer. Oh, ça me angoisse le. Ils sont en train de faire des dans le bâtiment. Participer. Oh, vous avez compris. Au redoutable jeu du King Wan King qui est élu chaque année le roi et la reine du campus. Lydia est la bouleversante quand elle découvre que son partenaire n'est d'autre que Jack, son premier amour. Jack, celui qui l'a fait tant vibrer et qui a traversé l'enfer avec elle. Jack qui est bâti un corps de rêve et un solide réputation suffira. Pourtant, aujourd'hui, il va falloir faire table rase du passé et composer avec les complications du présent et bon raf Aldaf Adaf et Dalta. Ce qui compte pour eux, c'est de remporter la victoire. Or, les épreuves du King One King, je ne sais pas vous dire, s'annonce tout plus difficile l'un que les autres, voire dangereuse. Aucune règle, aucune interdit, aucun limite. Pire encore, comment réussir à attirer explosive qui l'unit toujours à Jack. Il a l'air pas mal quand même. Alors, après. J'ai pris le tome 2. Celui-là, j'ai pas besoin de vous lire le résumé. Je vais me lire après que j'ai fait le mien, le tome 1. Comme ça, j'enchaînerai avec le tome 2. Parce qu'il me donne très envie. Celui-ci, j'avais hésité à le prendre. Il a l'air gros. Et bah, en fait, je me le suis pris. Le serpent et la mule. Voilà. Et du coup. Écoutez, je vais faire pause parce qu'ils sont en train de faire des trous chez moi. J'espère que vous là entente là. Je reviens.